coup de tonnerre, en annonçant son transfert, l'ex-bourgmestre de Wezembeek a ébranlé le MR qui vient en effet de perdre celui qui faisait le quatrième score de la liste en 2010. Les contacts que j'ai avec les gens qui viennent d'apprendre cela sont en général très bons parce qu'ils se disent « bon, tu t'es déjà présenté au MR de nombreuses fois où tu as utilisé, et bien maintenant tu as une place que tu mérites et nous espérons que tu seras élu en tout état de cause, nous ferons ce qu'il faut pour que tu le sois ». Se définissant comme le plus FDF des libéraux, car grand défenseur de la cause francophone en périphérie, François Van Obroek explique son choix par la trop grande proximité affichée entre le MR et la NVA. J'ai été très surpris d'abord, et puis absolument pas content des contacts entre le MR et la NVA. Je considère la NVA comme une entité politique qui veut la fin du pays. Je ne comprends pas que les libéraux, le MR, qui eux se sont toujours proclamés qu'ils soient du nord ou du sud comme des piliers de ce pays, je n'ai pas compris qu'on puisse avoir un copinage, même si c'est seulement pour des raisons économiques. Après avoir perdu Damien Théry, le FDF retrouve donc un chevalier pour mener la bataille de mai. Installé à une place de combat, la troisième de la liste, il n'est pas sûr d'être élu et devra pour ce faire réaliser un gros score électoral.